L'histoire commence sur Mars de Andreas. Alors je vous laisse le temps de lire un peu le début, hein, la présentation. Alors les temples Illili, il y a du lourd, il y a du quand même assez lourd. Ça vous allez voir, hein, comme une sorte de temple bouddhiste, comme une sorte de temple d'Abou Simbel, une sorte de porte de château en ruine. Ça c'est vrai que c'est vraiment, alors là c'est magnifique aussi. Comme une sorte de village préhistorique de Kambou, modifié. Hein. Vous allez voir, aussi de style maya, etc., etc. Aux pyramides à degrés, temple maya. Hein. Voilà, on va commencer tout de suite. Les temples Igigi. Alors, trouver ne serait-ce qu'un seul vestige de temple pourrait valider aussi bien les écrits d'Anton Parks que l'œuvre de Zekera Zitkin. Si on trouve un temple, se revaudrait-il dire que l'histoire contée par les Sumériens est définitivement réelle? L'avis des spécialistes de la science acquise sur la question est sans ambiguïté. On ne trouvera que des roches qui en auront l'apparence. Ce qui étonne pour des scientifiques, c'est cette certitude tranchée sur la question, alors que le principe même de la science est d'émettre des doutes tant que l'on n'a pas vérifié et fait faire plusieurs analyses contradictoires par des organismes indépendants. Il a tout à fait raison. Alors là, je suis à 3000% d'accord avec lui. Avec André. À moins qu'ils ne soient déjà allés le vérifier par eux-mêmes, je ne vois que ça qui leur fait affirmer la thèse de l'érosion naturelle, tout en affirmant, et ce de façon catégorique, la théorie qui vaudrait que ce soit l'œuvre d'une intelligence passée. Vestige d'un temple. Ok. Ça, je vais remettre les images. Par la suite, alors. Malgré cet état de fait, c'est encore la NASA, par le biais de son rover Curiosity, sur ce je crois que c'est le meilleur, hein, Curiosity, c'est lui le meilleur pour faire les photos pratiquement, qui, le 13 septembre 2013, nous démontre que Mars aurait pu un jour être habité par une civilisation avancée, notamment grâce à des clichés de sol 748, dont on serait en droit de se poser la question suivante. Un peuple martien aurait-il pu bâtir des monuments comme des temples dont on retrouverait des vestiges? Si la réponse est oui, alors d'autres interrogations s'imposent. Les aurait-il érigés à l'effigie d'une divinité, peut-être les Igigi? Dans le cas contraire, les roches martiennes seraient-elles investies d'un pouvoir mystique lié au pareidolie du cerveau humain? Il semblerait que deux murs se faisant face juste derrière ce qui devait peut-être être un plancher. Surtout, on voit bien la tête sculptée par le vent, point d'interrogation. Tête telle l'effigie d'une divinité, elle semble trôner presque intacte au-dessus de ce qui reste d'un édifice, les vestiges d'un temple, si tant est que cela en soit bien un. Zoom sur la tête sculptée, hein, NASA, vous allez voir le temple d'Abou Simbel. De la même manière que les formations pyramidales, les constructions naturelles sont aussi prolifiques en vestiges et autres ruines, ainsi que différentes choses que nous découvrirons plus tard. Les rovers, surtout Curiosity, hein, je pense que c'est le meilleur, sur le sol martien, semble d'une efficacité redoutable pour photographier ce genre d'illusion. Je ferai ici un aparté concernant les avalanches de commentaires qui, dans leur grande majorité, contiennent des propos de dénigrement que déclenche la mise en ligne par des internautes dignes de foi de tels clichés, alors qu'il suffit d'une simple recherche pour voir leur véracité sur les sites de la NASA. Une attitude et de déni qui n'apporte rien au débat. Ceci dit, revenons sur une série composant Sol 748. Celle-ci est beaucoup plus riche en pareidolie. Ainsi, cette roche rappelant aussi un temple. Temple bouddhiste. Ok? NASA, Sol 748. On peut avoir une certaine ressemblance avec les temples bouddhistes. Quoi qu'il en soit, il s'agit là encore d'une érosion qui semble artificielle. Par ailleurs, en parcourant le site de la NASA, et en se donnant la peine d'examiner les clichés, notamment ceux de Curiosity, on tombe parfois sur des vestiges de roches érodées, plutôt parlant, comme pour le sol 1381. Ici, la pierre a pris l'apparence d'encadrement d'une porte d'entrée. Ah oui, là, c'est vraiment fascinant. Trônant seul parmi les ruines ensevelies. Alors là, le sol 1381, de toute façon, j'ai mis mon doigt dessus, vous allez voir tout de suite, c'est juste hallucinant. Ah là, c'est... On a l'impression d'être une porte de château en ruine. Hein. C'est exactement ça. On retrouve également des vestiges rappelant une entrée extrêmement érodée avec sol 2454. Cette fois pris par la rover Opportunity. On remarquera la présence d'amphores.
Celle dans l'ouverture est une autre sur le côté droit de la bâtisse. Autre particularité, un crâne de profil semble trôner sur la partie droite de la toiture. Village préhistorique de Cambou, modifié. Sol 2454 ou encore en sol 710 qui pourrait tout aussi bien être qu'un gros tas de cailloux ayant pris la forme d'escaliers érodés que les vestiges d'une pyramide à degrés. On notera tout de même que dans ce cas précis, la roche à l'allure d'escalier aboutit sur une étrange formation dont le façonnage ne semble pas avoir une origine naturelle. Mais comme dans la plupart des cas, un examen approfondi en révèle beaucoup plus. Alors, sol 710, hein, pyramide à degrés, temple maya. Cela se vérifie puisqu'en sol 710, d'étranges formations, ce n'est pas ce qui manque. Elles sont d'autant plus étranges que certaines rejoignent les mythes évoquant des êtres géants. Par exemple, ce temple pris en sol 513 par Spirit semble être à échelle humaine, alors qu'il trône devant ce que nous décrivons dans le chapitre qui suit être un crâne géant, sans compter que là aussi, on peut voir l'immense tête surmontant la façade, ce qui pourrait être une divinité maya. Bien qu'on retrouve ce genre d'ornement dans d'autres cultures, comme en Chine, avec des sculptures monumentales représentant les empereurs chinois Yandi et Yundi. Alors, temple à échelle humaine, statue représentant les empereurs chinois Yandi et Yundi. Ah oui. Une comparaison avec une sculpture maya nous donne une idée de son origine. L'image suivante montre la sculpture mise en relief, comparée à un buste maya, la tête. Ah oui, alors après, c'est très intéressant aussi. Parmi les temples sornants d'une figure, il y en a un en particulier qui revient constamment. Ben, c'est le visage de Mars, hein, Sidonia. Les pyramides, tout ça qui sont installés, bon bref. Qui a été effacé par la suite par la NASA, hein, comme par hasard. Hein. Une formation qui ne se contenterait pas d'être l'étendard du visage d'une divinité, mais serait-elle même le visage d'un célèbre Anunnaki? On l'aura deviné, il s'agit du fameux visage de Mars, qui fait plus d'un kilomètre de long, hein, quand même. Au sein de la région de Sidonia, c'est encore une fois Zekara Sitkin qui nous renseigne sur son éventuelle origine. Dans l'ouvrage Le Livre Perdu du Dieu Enki, l'auteur nous fait savoir que le visage marquerait le lieu de sépulture d'un roi déchu Anunnaki nommé Alalu. Alors, visage d'Alalu, ou Lalu, ouais, Alalu, Mars Odyssée en 2004. Comme par hasard, il a été effacé de plus en plus. Je crois qu'il y avait des clichés aussi de Vikings à la base, Viking 2, je sais plus, 1 ou 2 en 1976, et puis un petit peu à la fois, le visage a été effacé, c'est quand même curieux. Hein. Je crois que c'était ça, enfin, si je me trompe pas. D'après les textes sumériens, un grand rocher fut façonné à l'image du visage d'Alalu, portant son casque d'astronaute. La sépulture géante couvrait une grotte dans laquelle reposerait une haute personnalité Anunnaki. Cette histoire daterait d'environ 450 000 ans. Ce qui pourrait facilement expliquer l'érosion du visage de Mars, ou puisqu'il aurait un nom, le visage d'Alalu, un lieu hautement symbolique vu que près du visage se trouvent au moins deux autres formations aussi atypiques. Nous les avons vues plus haut, le temple d'œil d'Horus et la pyramide des M. Bon, je ne vais pas tout montrer non plus du livre, mais bon. Visage supposé de l'Anunnaki Alalu. De mon côté, j'ai cherché à en savoir plus sur cette structure. S'il s'agit véritablement d'un temple, alors la sépulture qu'il protège ne peut être que celle d'une divinité. Car elle est vraiment gigantesque, pour rappel, 2,5 km de long, donc j'étais en dessous, hein. Donc c'est 1,5 km de large, je pensais que c'était plutôt 1 km, d'accord, donc c'est 1,5 km de large, 2,5 km de long, sur 400 mètres de haut, ça va, c'est, hein, à part ça, c'est bon. Si tel est le cas, alors il doit s'y trouver une entrée tout aussi colossale, peut-être ce qui apparaît en bas, à droite, du visage, ouais, une sorte d'entrée. Après un agrandissement et éclairci, il est peut-être utile une porte. Le visage d'Alalu, l'agrandissement et l'éclairci révéleraient une entrée. Des colossales érosions produisant de gigantesques pyramides et temples démesurés, les Egigi étaient-ils des géants? On dirait qu'il y a une sorte de porte ou je ne sais pas quoi, bon bref. Voilà, je coupe là. Alors la prochaine fois, je ne sais pas. Les géants, je les avais fait. Peut-être Stone Age. Ou alors les rites funéraires. Ça, c'est très intéressant. Je pense que je referai les rites funéraires. C'est très très intéressant. Je pense que je vais faire ça. Il y a aussi les signes religieux que je vais sûrement refaire. Donc il y aura au moins 2-3 vidéos encore en plus. Hein. Donc voilà. Je coupe là. Merci. Et temple Igigi. Et à bientôt d'ici 2 à
3 jours. Voilà, c'est un autre format que j'aime bien, mais au moins ça change. A plus, merci, à bientôt.